Your Excellencies, Mr. Chairman, Dr. Touré, Mr. Gazao, elected member of ITU, ladies and gentlemen, allow me to say some words in English before shifting to French, just to say my deepest gratitude to the government of United Arab Emirates for the warm welcome we received from our arrival here in Dubai for all my delegation. And I would like also to express my deepest gratitude to ITU through the Secretary General, Dr. Hamadoun Touré, and congratulate the perfect organization of this event here in the beautiful city of Dubai. Excellency, Excellence, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, Djibouti, du fait de sa position géographique, est une plateforme importante et un nœud de transit international en termes de transport maritime. C'est le lien entre l'Asie, l'Afrique et l'Orient. En tant que responsable djiboutien, je ne peux faire une déclaration de politique du secteur des TIC ici à Dubaï sans rendre un hommage vibrant au partenariat exemplaire établi entre Dubaï et Djibouti en juin 2000, ce qui a été le point de départ de la croissance économique de notre pays et le véritable lancement du développement phénoménal qu'a connu DP World dans le secteur portuaire et logistique. Je voudrais affirmer ici et maintenant que notre objectif actuel est de faire de Djibouti une plateforme en termes de communication et de technologie. Nous savons que nous pouvons. Nous pouvons parce que nous avons des infrastructures de grand niveau, nous avons un avantage comparatif exceptionnel, une position stratégique unique et des infrastructures de haut niveau. Et nous voulons réussir. Nous avons à ce titre élaboré un schéma stratégique de développement sectoriel qui permettra à terme une meilleure contribution du secteur d'éthique à l'évolution de notre tissu économique et social. Ce programme s'appuie principalement sur le maintien des choix de la mobilité, l'accès au haut débit, la recherche d'un partenariat scientifique et industriel avec le secteur privé, l'adoption de mesures réglementaires incitatives pour l'initiative privée. Voilà notre vision. Cette vision, nous la concrétisons avec des composantes comportant notamment le développement du gisement de croissance dans le secteur des TIC, la mise à niveau du secteur des TIC, le recadrage institutionnel et surtout la mise en valeur d'une vision appelée Djibouti Digital. Au-delà de ces trois grandes composantes, il y a des projets structurants que nous souhaitons voir émerger dans notre pays. Je citerai le développement des ressources humaines, le développement des usages des applications et l'harmonisation des réglementations institutionnelles et du secteur du TIC. Dans cette conférence, vous serez surtout sollicité dans un large débat sur les questions de la restructuration sectorielle, le développement des ressources humaines, le financement du développement et surtout la recherche de la création et de l'innovation. Pour conclure, je dirais, vos réflexions et vos échanges nous intéressent au plus haut niveau, parce que cela concerne directement notre programme de développement et de travail, qui consiste en une cinquantaine de projets, dont une grande majorité s'inscrit précisément dans le cadre du plan d'action de l'Union pour les 4 années à venir, à l'issue desquelles nous souhaitons vivement que le secteur d'éthique de Djibouti devienne une véritable locomotive pour la création de valeur, génération d'emplois et génération de richesses. Je suis fermement persuadé, pour ma part, que l'ensemble de ces questions, la voie de coopération et de partenariat reste le choix le plus approprié pour le développement des technologies, de l'information et de la communication. Et je tiens à vous assurer que Djibouti restera particulièrement attentive pour la réalisation des grands axes de sa stratégie aux orientations qui sont adoptées dans le plan d'action de Dubaï à l'issue de cette conférence mondiale de développement des télécommunications. Je vous remercie de votre attention.